Bah, on peut le voir avec Dieudonné. Hein. S'ils n'avaient pas de pouvoir, je pense pas que Dieudonné, à l'heure actuelle, aurait été interdit de jouer à Nantes. Je pense pas qu'on aurait, on serait allé jusqu'au Conseil d'État pour interdire son spectacle. Le pouvoir, c'est la finance. Hein. Je pense que aujourd'hui, c'est ceux qui sont à tête des banques qui besoin de le prouver. Ils le prouvent par eux-mêmes qu'ils ont du pouvoir. Et aujourd'hui, je pense que le peuple français commence à se réveiller. Et c'est mondial, c'est global. En tout cas, c'est global. Que ça va se retourner. C'est une goutte d'eau. C'est mondial. C'est une goutte d'eau. Les gens ont compris que c'était les banques qui menaient le monde et qui menaient le bateau. Voilà. Et qui est à la tête des banques? Bah, à vous, à chacun d'aller voir. Allez. Et qui est là? Comment fonctionnent les banques? Allez voir le crédit. Allez voir l'argent d'aide de Paul Grignon sur YouTube. Allez voir. Et là, vous allez comprendre. Et les nouveaux chiens de garde aussi. Les nouveaux chiens de garde. Quelle est la relation? Allez voir. Là, chacun se fait personnel. Il y a des infos sur internet. Le quatrième singe. Agence Info Libre, c'est pas mal aussi. Le cercle des volontaires. Qui consiste à vouloir un État. Info Libre TV. Un État en Palestine. C'est juste ça. Ça veut dire qu'il peut avoir des banquiers sionistes comme il peut avoir des banquiers qui ne sont pas sionistes. Quand on fait une PNL, c'est on remet en question le système, la banque et surtout le. Voilà. Comment on l'a fait? C'est comme ça. Vous savez, si c'était. Ils le disent eux-mêmes. Hein. C'est pour ça que je vous disais, ils le prouvent eux-mêmes, ils prouvent par eux-mêmes que ce qu'ils disent est faux. Parce qu'ils disent qu'une quenelle, c'est un salut nazi inversé. C'est l'inverse. Sa signification est l'inverse du salut nazi. Et même le salut nazi, à la base, c'est un salut romain. On est libre de penser. Le salut nazi, en réalité, n'existe pas. Le salut nazi, comme on peut le voir là par Hitler, tout ça, ça n'existe pas. Les premiers qui ont fait ça, c'était les Romains. Donc, faut remettre les choses à leur place et ne pas insulter les gens et surtout le public de Dieudonné qui est vraiment juif, juif, musulman, islamiste, arabe. Vous l'avez bien vu d'ailleurs lors de l'interdiction à son spectacle à Nantes, il n'y a pas eu de débordement. Il n'y a rien eu du tout. Et en plus, hein, là, ils avaient de quoi. Ils étaient légitimes d'avoir un comportement violent vu ce qu'on leur a fait. Parce que c'est scandaleux d'annoncer 2 heures avant un spectacle que l'humoriste ne peut pas jouer parce qu'il y a eu un Conseil d'État qu'ils ont estimé que c'était interdit de jouer. Alors qu'il était déjà passé devant le tribunal et que ça avait été autorisé. Donc, entre une nouvelle positive et subitement plutôt un retournement de situation, je pense que c'est là que les gens commencent à se poser des questions. Qu'est-ce que vous avez pensé de la décision du Conseil d'État, en fait? À partir du moment où la justice a parlé, il y a eu une grosse quenelle. Pourquoi remettre en question la décision d'un juge, tout simplement? Pourquoi la remettre en question à travers une instance supérieure qui est justement dirigée par ces mêmes personnes, ou du moins qui est en collaboration avec l'État et qui fausse totalement l'avis qui pouvait être donné par rapport à cette décision? Donc c'était la censure, en fait. C'est de la censure. Et même avant qu'il y ait eu l'interdiction de ce spectacle-là, la censure de Dieudonné. Quel ça veut dire là vous avez fait n'importe quoi, on n'y croit plus. Vos idées de démocratie ou le peuple choisit, il n'y en a pas eu, il n'y a eu aucun consensus, aucune, et ça on a compris. Nos parents ils y croyaient, nous on n'y croit plus, voilà, c'est ça ce que vous avez dit. Au revoir, merci.